Merci. Part au Cap Vert. On se retrouve, on est au Cap Vert, on est le lendemain, on est arrivé hier dans l'après-midi et là il est exactement 8h14 et je suis en train de me préparer. C'est vraiment notre première vraie journée ici et je suis ultra contente parce que ça va vous faire découvrir une destination à vous aussi et je vais un petit peu vous expliquer pourquoi je suis là, enfin un petit peu les bases genre. Je sais pas si vous le savez mais depuis maintenant un an et demi, deux ans, je suis en agence d'influence. C'est-à-dire que je suis dans une agence qui m'aide à gérer mon travail, mes contrats. Dans le sens où ils vont m'aider à gérer mes collaborations avec les marques, à démarcher pour moi, tout ce qui est contrat, etc. Bon, ça va pas forcément vous intéresser. Du coup, mon agence, elle s'appelle Glow Up. Et à l'intérieur de cette agence, il y a plusieurs créatrices de contenu. Donc, il y a moi, mais il y a aussi plein d'autres filles. Par exemple, je partage ma chambre avec Eline, qui est aussi une créatrice de contenu, que je suivais sur les réseaux sociaux, mais que je ne connaissais absolument pas dans la vraie vie, quoi, tout simplement. Et en gros, l'idée, c'était de nous amener toutes dans une destination pour apprendre à se connaître, faire des activités ensemble, enfin vraiment être soudés et je trouve ça trop cool. C'est un petit peu un team building d'entreprise mais version influence. Franchement je suis ultra contente et honorée d'être ici. Déjà de une, je connais pas du tout le Cap Vert, c'est ma première fois ici. On va découvrir plein de choses, ils nous ont prévu plein d'activités. En gros hier quand on est arrivé à l'hôtel, on a une réunion avec toute l'agence. On nous a expliqué un petit peu les enjeux du voyage, ce qu'ils attendaient, le planning, les activités qu'ils nous avaient préparées. Franchement, on a des trucs de ouf, vraiment de ouf qui sont prévus. Moi, et Sofiane, je pense que ce thème vous connaissez déjà, mais je vais prendre la lettre. Non, pas du tout. C'est qui ? Je vous souhaite la bienvenue au Cap Vert. Je suis très content de pouvoir vous emmener ici et très honoré de vous avoir parmi nous. Ok, avec des photos, des vidéos, qu'on puisse communiquer avec nous. Notamment aujourd'hui, là ce matin, on a pas mal de travail chacune de notre côté en lien avec des marques, etc., nos contrats. Donc il faut quand même qu'on ait du temps pour réaliser tout ça, comme si on était chez nous et qu'on avait notre journée de travail classique. Et voilà, je voulais un petit peu poser les bases avant de commencer cette vidéo et de vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Donc, vous l'aurez compris, on part pendant une semaine en voyage, tout ensemble, des influenceurs, des créateurs de contenu, grâce à notre agence qui nous a gentiment invités pendant une semaine au Cap Vert. Et en gros, là vous voyez, je descends les petites marches. Parce que oui, je suis dans une chambre d'hôtel, c'est un duplex le truc, c'est énorme. Mais je vais pas vous faire un room tour maintenant, parce que j'avoue qu'on a un peu foutu le bordel avec Eline dans la chambre. J'avoue, un tout petit peu. C'est bon, je suis prête, on part prendre le petit déj. Et avant, je vais aller récupérer ma copine. J'ai retrouvé Soso, il va me coiffer pour l'activité de cet après-midi, c'est Buggy. Donc là très clairement on va éviter d'avoir les cheveux lâches parce qu'il y a tout ce qui va s'emmêler, j'aurai de la poussière, du sable et tout ce qu'il faut à l'intérieur. Donc, du coup on va partir, des tresses. Des petites tresses. Ah bah tu veux, elle va être fraîche. Avec le vent en vrai mes boucles, il n'y a rien qui tient. Ah mais là le vent qui a, t'as vu le vent. Et c'est humide, moi mes cheveux tiennent pas dans ce moment-là. Et Soso d'ailleurs, pour les personnes qui ne connaissent pas, je crois pas que je t'ai mis déjà sur la chaîne YouTube. Non jamais. T'es le coiffeur de l'agence et c'est aussi le frère de ma copine Mimi. Et Mimi vous connaissez à force. Tout bon, je suis coiffée, j'ai changé mon haut parce que je sais que je vais avoir de la poussière de partout sur moi et je vais m'appliquer de la crème solaire sur les jambes parce que je sais qu'on va bronzer, mais moi je vais surtout cramer, je suis une vraie crevisse et même c'est trop important. Ensuite, let's go pour faire, je crois, 3 heures de buggy, ça va être trop bien, on va découvrir le Cap Vert et tout. Je sais pas du tout dans quel environnement ça va être, si ça va être genre dans le désert, si ça va être sur les routes, etc. Donc voilà, franchement j'ai trop hâte et je ne sais pas qui va être avec moi sur le buggy, qui va conduire, parce que si je tombe avec une ferrue du buggy, à mon avis, ça va swinguer dans tous les sens. Donc voilà, je m'applique ma crème et... Est-ce que vous êtes prêtes pour le buggy ? La pilote est prête, copilote en place. Je me dédouane de toute responsabilité de potentiel crash. Oh là là, on n'est pas rendu. S'il vous plaît, ne faites absolument pas attention à cette tronche au rang du buggy.
J'ai du sable de partout, je suis en train de me nettoyer les yeux. Là, c'est un mélange de sable, de saleté et tout sur mon visage. J'ai qu'une envie, c'est de me laver. Il est 16h45 et ce soir, on est attendu à 19h30 dans le hall de l'hôtel parce qu'on va manger dans un restaurant de poissons, langoustes, etc. Là, pour le buggy, j'étais avec Léa, comme vous avez pu voir. C'est trop bien à chaque fois pour les activités. J'essaie de me mettre avec des filles différentes, des filles que je connais pas et tout, pour apprendre un petit peu à connaître tout le monde, tout simplement. J'avoue que j'ai eu juste un peu la gerbe. En fait, c'était du buggy. Et en fait, vous savez, c'est un peu comme dans le désert, etc. Il y avait plein de bosses et plein de virages. J'en ai déjà fait du buggy, mais alors des bosses comme ça. Et j'ai facilement le mal de transport. Et là, j'étais comme ça. Léa, s'il te plaît, va moins vite. Ça a l'air excellent. Oh là là. C'est bon maintenant? C'est bon, Maréva? C'est bon. Elle avait pas commandé ça en plus. Il est 7h45, je me suis réveillée il y a 15 minutes, j'ai toujours pas émergé. Hier soir on s'est couché assez tard, on a été dans les chambres les uns des autres. On a parlé, on a été faire un peu la fête et la fanfare dans l'hôtel, il y avait des musiciens, etc. Et là, ce matin, je suis pas réveillée, mais je vais faire un cours de pilates à 8h sur la plage. En vrai ça va me réveiller, j'ai pas fait de sport depuis que je suis ici. Mais là je vous avoue que j'ai une flemme qui est monumentale. Une fois que j'y serai, ça va, je serai réveillée, je serai contente. Mais là, je vous avoue que j'ai un peu la tête dans le... Ah non, c'est pas assez long, mais du coup, il y a un message là qui dit que genre les tortues, c'est ici qu'elles font leurs œufs et tout, qu'il faut pas visiter la plage la nuit parce que... Oh, mais... Parce que voilà, on risque de déranger. Les deux sosos au pilates. Et franchement, le cadre est idyllique. Ouais, de ouf. Le cadre est idyllique. Voilà, on va bien s'amuser, je pense. Ouais, je pense aussi. On se retrouve en début d'après-midi, je suis encore avec Soso, vous allez le voir pendant tout le long de ce vlog. Et là on va se faire un petit shooting, on en profite d'être ici pour se faire de belles coiffures. Et là tu sais ce que tu vas me faire ou pas? En vrai, oui, t'as une idée. C'est genre attaché, mais j'ai jamais fait ça en vrai, je crois. Attaché, classe. Parce que je sais pas trop me... Parce que j'ai trop classe. Ah, il est gentil. Du coup la petite préparation et après on ira faire des photos, coucher du soleil, etc. Donc trop contente, en plus aujourd'hui c'est super beau. Donc voilà. On est le lendemain, on est jeudi, je me suis réveillée je crois il y a une heure. J'ai un petit peu la tête dans le cul, clairement, quand on le dit. On s'est couché un petit peu tard hier soir. On a bien profité, on a passé une trop bonne soirée. Donc j'ai pris ma petite caméra de téléphone et je vous ai filmé pas mal de vidéos de la soirée pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte. On vient d'entrer deux soirées. Comment ça s'est passé? On a fait du casque silence. Tout le monde danse, mais ça fait ça. Brief de notre bronzage, on a pris des coups de soleil. Pas moi. Mais si t'en as pris. Beaucoup. Après tu t'es pas trop exposé au soleil. Moi et Eline on a passé un peu 2 heures au soleil, voilà. Si tu sais pas plus, à vrai voilà. Dire. Donc on est bien rouge et crevisse. Donc je viens squatter leur chambre pour prendre de la cica. Plast. Voilà. Tu vois, on a pris le vlog de Juju. Regardez, je vous fais un petit débrief, j'ai un aft. Je pense qu'ils sont ravis de savoir. Hein. Voilà, j'ai une cloque. Anecdote, je veux savoir vos commentaires. Est-ce que vous éclatez vos afts? Pas du tu tout. Tu éclates tes afts? Non. Moi, ça me ferait trop mal en plus. Ça fait très mal un aft. Mais c'est génial. Ça fait mal à l'aft, donc quand tu l'éclates. Et c'est comme si c'était un bouton. Comme vous avez pu le voir, on a passé une bonne soirée. En gros, c'était une soirée à l'hôtel. On avait un buffet italien. En gros, ici, on a un all inclusive. Et tous les soirs, c'est des menus, des choses qui changent. Hier soir, c'était le buffet italien, genre mon préféré. Je peux vous dire que j'ai été me resservir je ne sais combien de fois d'assiettes de charcuterie, de pizza. La charcuterie, elle était excellente. Vraiment, j'avais honte, je pense que je suis celle qui a mangé le plus de charcuterie. J'ai démonté le buffet. Ensuite, on a été à la petite soirée de l'hôtel. En gros, tous les soirs, il y a de la musique, des musiciens, etc. Et à partir d'une certaine heure, je crois 22h, 22h30, dans ces eaux-là, pour éviter qu'il y ait du bruit dans tout l'hôtel, ils nous mettent des casques sur la tête. En fait, vous pouvez changer la couleur du casque et en fonction de la couleur que vous avez sur les oreilles, la musique est différente.
Quand vous enlevez le casque, vous avez l'air extrêmement ridicule parce que vous chantez à tue-tête à l'extérieur, sauf que personne n'entend rien. Mais je me suis fait démolir par les moustiques, j'ai des piqûres de partout sur les jambes. C'est pas grave, ça va pas m'empêcher de passer une bonne journée. Au programme du jour, on a une visite de l'île guidée à partir de 13h20. On a rendez-vous à la réception de l'hôtel. Que c'est normal qu'à chaque fois, tous les matins ou le soir, on arrive habillé, elle est chez nous. Alors il y a ça, mais c'est surtout qu'à chaque fois on est habillé avec les mêmes couleurs. Un haut noir, c'est vrai. Un truc beige et des chaussures noires. Voilà, donc hier soir vous m'avez vu en train de mettre ma crème. Et ben ce matin je me réveille avec du pus partout sur le visage, des croûtes de pus et mon visage déformé. Voilà. En vrai là ça se voit pas trop, mais ce matin c'est vrai qu'elle m'a envoyé un snap, elle avait vraiment du pus. Là j'ai des cloques. Hein. Là il y a des cloques. Aujourd'hui c'est crème 50 obligée. Ah oui, il y a pas le choix là. Je rentre du petit déjeuner, vraiment tous les matins c'est un pur bonheur de me réveiller et d'aller pouvoir m'empiffrer dans une petite tâche d'hôtel. Ça c'est vraiment ce que je préfère le plus. Là, on va pas rigoler, je mettrai un petit ensemble marron mais avec des manches longues pour être sûre quand même de bien me protéger. En dessous je mettrai un maillot de bain, un petit short. Ici au Cap Vert, du moins sur l'île où on est, ça me fait extrêmement penser les paysages à tout ce qui est île Canaries. J'avais été il y a quelques années avec Joe à Lanzarote et tout ce qui est un petit peu volcanique etc. Je pense que c'est des îles qui sont semblables et qui se ressemblent. Je suis en train de me rendre compte que je vous ai même pas montré la chambre à quoi elle ressemblait. Vous voyez, quand on arrive ici, on a tout ce qui est petit salon, etc. Ici, on a une table et c'est Hélène qui a foutu un bordel monstre. Ce n'est pas moi pour ma décharge. Ici, il y a petit balcon, petit transat. On adore se poser là le soir, c'est ultra apaisant. Et tout au fond, là-bas, il y a la mer, je vous montrerai. Ensuite, juste là, en fait, il y a des escaliers. C'est vraiment immense. Là-bas, au fond, c'est la salle de bain. Et en fait, quand on monte, on a la chambre. Donc là c'est petite coiffeuse etc. Et là c'est notre lit. On a la chance d'avoir une super équipe toute derrière nous. Autant toute la team Glow Up, c'est-à-dire Sofiane, Jenae, Cynthia, Emma, ils sont quatre, à être en voyage présent ici avec nous. Et pour cet après-midi, je pense que je vais plutôt vous laisser avec des images en vous notant un petit peu tous les lieux. Parce que c'est vrai que des fois avec le vent, quand je sors ma caméra, j'ai peur que vous ne m'entendiez pas. Premier arrêt, on a la plage de Santa Maria. Un peu aigri, non? Mais non, il veut que je nage, mais je viens de manger. Gardez le meilleur de ce qu'on était. Le requin vient ici pour manger du poulpe, il ne vient pas pour manger personne. Il marche tranquille, à mettre de l'eau, vient le petit requin, à mettre, 50 cm, à mettre, 1m50. Il vient, il nage à côté de notre pied, il touche notre pied et il ne mord pas, ok? Oh my god! On est au marché, ça fait très souple, il y a plein de chaussures. Bon, je doute que ce soit des vrais, vous doutez bien, mais on découvre, il n'y a personne dans les rues. Les vêtements, ils sont pendus comme ça en l'air. Et voilà, il y a plein de petits stands. On découvre, là, on est vraiment dans le centre-ville de Santa Maria. Et voilà, toutes les maisons, je ne sais pas si vous voyez bien, mais elles sont toutes colorées, elles sont là-bas derrière. Il y a des Yeezy. Des Yeezy. Nouveau serveur. Ça ouvre, ça, tu t'enjailles. Merci beaucoup. Elle a osé. Moi, c'est quoi? Merci. C'est Coca, quoi. Ouais. Oh, vous avez géré, hein. Ciao. On se trouve, on est le lendemain, on est vendredi, on est surtout le dernier jour au Cap Vert, on repart demain matin. Là, je suis en train de me préparer pour la soirée de ce soir. Soso m'a coiffé, on a fait un plaquage queue de cheval avec des petits bijoux et des tresses, etc. Sur l'arrière, c'est très mignon. Donc là, le programme, c'est que je vais me faire un ravalement de façade, j'ai strictement rien sur la peau, j'ai bronzé toute la journée. J'ai aussi pris un petit peu des coups de soleil, mais je me suis protégée, donc en fait, ça va. En gros, pour vous expliquer un petit peu le programme, ce soir, on a la dernière soirée qui est organisée avec toute la team, vu qu'on repart demain matin. Et c'est une soirée blanche et juste en face de notre hôtel on a un peu un bikini beach, je crois que ça s'appelle comme ça, et il y a une soirée d'organiser, musique etc, donc ça va être trop cool, on va passer une trop bonne dernière soirée. Le voyage est passé extrêmement vite, vraiment j'y ai pas vu passer. Vraiment ma robe, j'aime trop, elle est trop mignonne, c'est une robe de nuit avec des fleurs qui tombent, j'ai commandé sur
une marque australienne, c'est la première fois que je commandais. Et vraiment, je suis trop contente de la qualité. Je vous ai même pas fait de retour à propos de notre excursion d'hier quand on a visité, etc. C'était trop bien. Le soir, j'avoue que j'étais complètement KO avec la route, le décalage horaire, etc. Et vu qu'on se couche tous les soirs tard, et bien, c'est une accumulation de fatigue. En vrai, hier, on a visité l'île, c'était ultra intéressant. On a visité plein d'endroits. Vraiment, la plage de Santa Maria, c'est le premier spot où on est allé. C'était mais somptueux. La couleur de l'eau, le sable blanc, enfin vraiment, c'était paradisiaque et il y avait personne sur la plage. Si vous venez par ici, vraiment, c'est une plage que je vous conseille. Et ensuite, pour le deuxième spot, on a été voir des requins citrons dans leur milieu et leur habitat naturel. C'est facile pour nous de voir ici les requins citrons parce qu'ils sont vraiment dans leur habitat naturel et la mer dans laquelle on se trouvait, en fait, c'était très volcanique. Vu qu'il y avait de la roche qui était volcanique, bah, ça dégageait de la chaleur et ça attirait les requins citrons. Et en fait, ces pierres-là, même les pierres volcaniques, ça attire les poulpes et les requins citrons, ils en raffolent. Donc les poulpes vont se cacher sous les roches et les requins viennent les manger. Ah oui, aussi quelque chose de très important que je voulais vous partager, c'est que ici, par mois, les personnes qui travaillent, qui habitent, le salaire moyen, le salaire médian, c'est 150 euros par mois. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais ouais, il y a tellement une différence. Je sais qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus pauvres, le cadre, enfin, tout est complètement différent. Et je me suis dit, mais ils ont l'air tellement heureux, alors qu'ils ont beaucoup moins de moyens que dans d'autres pays. Et c'était vraie leçon de vie. Tente d'être venue ici, de m'être plongée un petit peu dans la culture du pays. J'ai goûté plein de spécialités, vraiment, je me suis régalée. Je pourrais pas vous dire les noms, parce qu'il y avait pas tout le temps les noms à chaque fois dans les buffets. Mais hier soir, oui, c'était hier soir, il y avait plein de spécialités d'ici, et je me suis mais régalée. Je sais pas si je mets leur manouche. Est-ce que c'est prêt pour faire la night? Oui. On va aller voir la team Glow Up. Regardez-moi ça. Premier dodo, deuxième dodo. Ça dort, ça dort. Laura, elle tape sa meilleure nuit. D'arriver à Paris après 6 heures de vol. Ce soir, je dors ici avant de prendre mon train pour Lyon demain matin à 7h15. Et on a réservé un hôtel juste à côté de la gare. Faut absolument que je vous montre la chambre. Elle fait extrêmement flipper. Alors là, on a une petite Mimi, mais surtout, ce qui nous a fait super peur, c'est que quand on est arrivé sur le lit, on avait cette énergumène. Alors on l'a vite enlevée parce que alors ça fait extrêmement peur. Et surtout, la douche et tout, genre il y a des petites ambiances. Ça fait un peu truc de coupe, quoi. On n'est pas très très à l'aise. Bon, ça va que c'est nous, quoi. En gros, tu fais pipi. Tout le monde te voit à travers. Et genre, on va pouvoir se doucher et tout, c'est génial. C'est sympatoche. Donc on va terminer, je pense, cette vidéo avec ce petit monsieur qui vous souhaite une bonne fin de vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.